par l'intelligence, par la, la bêtise, l'ineptie de ceux qui veulent avoir pour eux et, et emmerder les autres. <laughs> et, et donc, euh, ça, ça a été à l'origine eh de, 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 de très graves problèmes pendant des, pendant des, des millénaires, pendant des millénaires, euh, au point que euh, évidemment, les religions sont intervenues, sont app apparues, dont la religion de l'amour, avec un grand A, qui est capable de ne plus frapper celui qui est malheureusement euh, l'oppresseur, celui qui opprime, celui qui est dans l'ineptie cérébrale euh, totale, plus ou moins totale, et qui croit pouvoir opprimer parce qu'il... Euh, il détient une arme que l'autre n'a pas. Et donc c'est ça qui est, qui est véritablement à l'origine du problème. C'est celui qui croit qu'il qu aurait le droit de ne pas être fraternel, de ne pas être réellement à partager les, la salle des machines avec les autres qui en sont exclus et qui soumet euh, la possibilité d'avoir accès à l'assassinat à des conditions que lui seul, donc des conditions arbitraires, donc non, non démocratiques, non fraternelles, non euh, liées à un partage équitable. Et, et c'est cette chose fondamentale que, heureusement, l'ensemble des philosophies a réussi à, à comprendre, euh, Donne euh, bah, naturellement la victoire d'avance au camp bah, de Dieu, euh, qui, euh, ou, euh, au camp du Bouddha, ou au camp euh, des, des, des religions qui ont cherché par les mots et par euh, leur philosophie et par les actes à prouver qu'ils sont, eux, dans la générosité, notamment dans le partage des découvertes qu'ils font euh, et qu'ils arrivent à faire grâce aux sciences, grâce à l'intelligence, grâce à la rationalité, grâce à la cohérence et à la logique euh, d'un esprit et d'esprits qui euh, ne, vont pas, euh, euh, ne, ne, ne vont pas croire à autre chose que la, à la conscience, c'est-à-dire à, à l'analyse très détaillée. Ce qui permet aussi d'utiliser les mots appropriés qui ont surgi comme des instruments pour euh, signifier en détail, euh, pour, pour donner des explications, pour éclairer et non pour obscurcir, pour éclairer ce, ce qu'on qu découvre, même simplement visuellement. Ce. Que la personne qui malheureusement a choisi de devenir obscure et donc de rejoindre l'ensemble des voleurs, de, des escrocs, des bandits, des gens malhonnêtes, des gens qui cachent des choses et qui ont mauvaise conscience parce qu'ils ont arnaqué les autres, et eh bien toutes ces personnes obscures, sans le soleil, toutes celles qui sont au soleil, qui sont. Euh, qui ont compris euh, rapidement euh, que la loi de la quantité et de la rareté euh, gouvernait euh, l'ensemble en, euh, des commerces, par exemple, et, et bien sans ces personnes très exactes, qui sont dans le monde du, de, du blanc, de la lumière euh, la plus claire, et bien il n'y a aucun aucune survie possible d'aucun de ces escrocs, d'aucun de ces menteurs, d'aucun de ces tricheurs, d'aucun de ces euh, criminels contre l'humanité, c'est-à-dire euh, en réalité contre la notion de fraternité, ceux qui euh, ont donc con, convoité et, et pris euh, pour eux en avare, avaricieux, en radins, en gens qui ne partagent pas, la salle des machines et qui ne l'ont soumise qu'à des conditions qui ne sont pas acceptables, qui ne sont plus tolérables d'aucune façon par rapport à notre époque, euh, à pas seulement notre époque, mais à toutes les époques, parce que justement celles sont soumises à conditions. Or l'amour, avec un grand A, ça n'est pas capable de faire des conditions, à de, 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 de proposer des, des conditions euh, sauf en légitime défense. Par exemple, les conditions qu'on trouvera au terme de contrat. Alors, euh, ces contrats sont des sécurités qui sont écrites avec amour et qui sont des conditions pour éviter des escroqueries. Et, et donc... Euh, là, dans ce cas-là, faire des conditions aux autres, proposer des conditions, c'est des conditions salvatrices. C'est des con conditions de sécurité pour l'ensemble et pour la, celui qui fait, qui propose des conditions. Mais euh, en général, l'amour entre un frère et un autre frère ou entre euh, une sœur et un frère ou une entre une sœur, une fille et sa mère, entre euh, un fils et, 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 et son père, ça n'est ne, ça pas soumis à des conditions. Il n'y a pas de conditions textuelles. Il y a quelque chose qui, a, qui est du domaine de l'évidence. L'un est pour l'autre, l'autre est pour l'un. Donc, il n'y a pas donc de possibilité euh, d'introduire. La non-fraternité et la non-fraternité malheureusement est venue de ce que les pères ont arnaqué les enfants puisque les pères ont eu accès à la salle des machines et, et donc euh, là euh, ça a transformé ça a rendu chacun des pères des fossés et en réalité à l'origine ces pères et ces mères de l'ensemble des vieillissements, hein, des cheveux blancs, de l'ensemble des souffrances et des malheurs et des maladies, que l'ensemble, dont l'ensemble a été victime, et Y compris, la, la maladie qui a consisté à croire possible euh, faire bande à part, euh, et donc euh, être dans le rejet de, des enfants, de, 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 de la vérité, innocente et naturelle euh, de chacun des enfants qui a tout à fait le droit de refuser euh, d'embrasser de, quelqu'un ne serait-ce que par hygiène pour éviter d'attraper des microbes euh, qui a tout à fait le droit de ne pas avoir de relations sensuelles ou sexuelles avec personne puisque ça ne l'intéresse pas euh, tant que ça ne l'intéressera pas euh, euh, et bien euh, pouvez être des milliards à contraindre quelqu'un à avoir une relation sensuelle et sexuelle tant qu'il n'éprouve pas de sentiment d'amour véritable pour quelqu'un eh bien ne, ne s'intéressera pas à la personne et utiliser la salle des machines pour intéresser artificiellement une personne à la, à la question sensuelle eh bien ça constitue un délit, un, un crime contre la liberté de chacun euh, de refuser euh, d'être intéressé artificiellement à quelque chose qui doit venir naturellement, quelque chose qui doit venir de soi même, en réalité parce que un échange se produit entre deux personnes qui sont dans, qui trouvent un accord parfait. Et ce n'est qu'une fois que cet accord parfait est trouvé par deux personnes qui partagent réellement des euh, idées en commun sur des choses fondamentales, essentielles, également dans un projet commun, que, euh, une union est possible, pas autrement, pas en l'imposant d'une quelconque façon. Bien qu'on ait été obligé dans l'histoire, de recourir au stratagème de, de la notion de promis qui induit canoniquement un certain nombre de, de choses qui sont légitimes et, et également qui, qui peuvent permettre de transgresser. Euh, mais, mais tout ça a été faussé en réalité par ceux qui ont eu accès à la salle des machines et qui ont hérité donc de... Bah de, 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 de l'héritage euh, le plus malheureux qui soit, le plus, le plus fallacieux, le plus mauvais pour eux-mêmes, euh, c'était vraiment, c'est la mauvaise affaire, affaire. c'est ne pas être malin que de croire possible euh, hériter de machines qui vont servir à opprimer ou à donner un, un goût euh, faux, erroné, euh, pour euh, des amours qui sont en réalité faux et fallacieux, qui n'ont rien à voir avec les véritables grands amours euh, avec un grand que les plus grands artistes ont, dont les plus grands artistes ont été capables en, en refusant très certainement, en refusant d'avoir accès à la salle des machines et en s'en tenant éloigné. Euh, corps et âme comme s'il s'agissait du diable euh, c'est probablement ce qui s'est passé euh, au cours de, des millénaires euh, par euh, l'ensemble des très grandes figures qui et, qui sont devenues depuis de, de véritables statues et de véritables référents euh, pour pour l'ensemble des gens intelligents qui on, on trouve là des dans ces personnes qui sont dans la résistance et dans la résistance salvatrice, euh, qui trouvent réellement le meilleur conseil pour sauver leur âme et de cette façon éviter d'obtenir bah, l'une des plus malheureuses réincarnations qui attendent chacun de ceux qui ont cru possible, par exemple, espionner, à l'insu. Hein. Donc épier euh, par le biais de cette salle des machines des gens qui sont chez eux, euh, sans leur autorisation. Ça c'est absolument in inconcevable, c'est impensable. Celui qui se permet une chose pareille est complètement mais, malade, fou, euh, mais au mauvais sens de ce mot, pas au bon sens de ce mot, et, ne va pas du tout bien et dans et dans la, la parano absolue euh, par conséquent et et dans la, dans le préjudice absolu de lui-même mais on va en arrêter là et revenir à ce qui est essentiel c'est d'avoir trouvé la possibilité facilement pour les enfants qui le souhaitent de avec du talc avec du talc de de réaliser des choses toutes, toutes faciles, toutes simples et qui permettent d'être de, de, dans, dans l'émerveillement. En, en réalité, de, de, de devenir un peu fa, facilement de, de, des orfèvres. <laughs> et, et, et ça, et ça, c'est... Alors évidemment, cette fa facilité de, à, à réaliser des choses admirables, ça, ça vient parce que euh, y, soudain, il y, y a celui qui a trouvé la, trouvé la solution élégante. <laughs> et, et donc, euh, les, les choses admirables et les choses très belles bah, deviennent à ce moment-là euh, communes, faciles. Euh, euh, non, non, elles ne sont plus rares, elles ne sont plus rares. <laughs> Parce qu'en fait, la, la solution est élégante est toute, toute simple, bah, avec du talc, euh, mais il faut ensuite euh, prendre une webcam et puis euh, puis euh, filmer, hein, euh, comme euh, ceux qui euh, lisent dans le mar de café les la di divination hein, quand ils font de la di divination à partir alors là il y a en tout cas euh, dans la divination il y a en tout cas une, 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 la tête d'un d'un géant ou d'un dieu ou, ou même de dieu lui-même qui est qui est qui est spécialement mise en, en en scène là <laughs> Et euh, il est très sensuel parce qu'il a une paire de, de seins <laughs> dans une partie de lui-même. Euh, vraiment, je ne me lasserai pas de cette, de cette, cette tasse que je vais, je vais conserver euh, telle quelle. Et là, il y a une sorte de lion en face. En face, euh, on peut voir une sorte de, de, de lionne, peut-être, qui, qui est amoureuse, peut-être, de ce Dieu. Euh c'est peut-être la tasse du, du, du magicien et <laughs> comme dirait euh, d'ormesson <laughs> Mais il y a aussi avec ce lion cette lionne il y a, il y a aussi une, pers une personne, un être un être humain un peu... Un peu à la Picasso, hein. On pourrait, on pourrait, on pourrait penser à un, à un des plus beaux Picasso euh, qui, qui soit là, euh, qui euh, qui est sur le côté. C'est pas seulement une lionne ici ou un animal. C'est c'est aussi un, un personnage admirable comme vu comme ça. Hein. <laughs> et, et là, on a vraiment un des, des, des plus beaux pique alors évidemment l'original de cette tasse et eh bien a une valeur euh, pas seulement artistique euh, admirable euh, merveilleuse <laughs> mais <coughs> mais une autre une autre valeur hein, une valeur euh, financière qui est qui est considérable à l'onde de, de de celui, de, de l'oeuvre hein, que j'ai réalisé depuis 1965 et 75 et, et 2005 Ça, à tel point que bah, l'ensemble des, des réserves mondiales d'or et de diamants dans tous les temps ne vont pas pouvoir payer même seulement un électron de cette tasse que j'ai faite par conséquent, on comprend... Les dettes de l'ensemble, contractées par l'ensemble, envers ma personne, sont à un point tel que c'est bien normal que le soleil bah, explose, explosera euh, dès, dès que plus le temps passe et, et moins les gens m'auront remboursé euh, de ce qu'ils me doivent et qu'ils attendent. Euh, eh bien oui, c'est normal hein, quand des gens escroquent à ce point et, et, et volent quelqu'un qui ne fait que offrir et que donner en échange que seulement du beau, de, du merveilleux, euh, de toujours plus admirable. <laughs> eh bien, il arrive à un moment donné où, ben, mathématiquement, soleil, univers, tout explose. Et on, on va directement là-dessus si on ne me rend pas... Et la salle des machines, si on ne ferme pas la salle des machines, si on ne me rend pas le variateur, de façon à ce que personne n'y aille, que seulement moi. Et, euh, et encore, euh, attention, je n'irai qu'une fois que je serai payé pour y aller, pour soigner euh, et soigner à ma façon, de façon à, à éviter que les personnes qui y sont allées obtiennent des réincarnations, malheureusement de moins encore que les plus malheureuses d'entre elles, les plus minables et les plus parasites, hein, de parasites puants, euh, 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 pourris. Hein, C'est malheureux. Hein. Voilà. Mais rappelons-nous qu'il y a ces choses à, faciles à réaliser. <laughs> faciles à réaliser. <laughs> il a fallu... Euh, 50 euh, années de recherche <laughs> et on comprendra euh, euh, et puis l'ensemble de mes réincarnations précédentes <laughs> pour arriver à, 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 cette, euh, à cette facilité <laughs> à la portée de, de n'importe quelle maçon avec de la chaux hein, fait aussi bien <laughs> bon là c'est avec du talc et ça nous a fait un peu causer hein, une, cause, une causerie au coin du au coin du feu du feu <laughs> qui sait, euh, laurie qui c'est Lori? Le feu lorry, eh ben, c'est peut-être ce... cette figure là qui est qui est absolument admirable. Vraiment très belle. Avec sa barbe, d'ailleurs il a une barbe. Hein. C'est bizarre, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment. <laughs> c'est étonnant. Hein. Et quelle merveille! <laughs> Alors réaliser ça, une chose comme ça, et puis oh là là, dans le moindre état. Et puis une vraie barbe. Hein. Au début, on ne savait pas ce que c'était. Hein. Quand j'ai d'abord tourné, on s'est dit c'est du corail, je ne sais pas, on ne savait pas. Puis progressivement, on a compris, on a réussi à voir apparaître Jupiter lui-même. Alors. Euh, ce qui serait drôle, ça serait de, de, de voir dans ce sens-là hein, quoi ça quoi ça rime, hein. <laughs> qu'est-ce que ça représente. En fait, que, que, quoi, à quoi ça rime, ça signifie euh, en synonyme, qu'est-ce que ça représente <laughs> Qu'est-ce qu'on peut euh, y découvrir Mais Vraiment, il y a le. le, 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 le le bar de café grec euh, ou turc, c'est vraiment un, un, moment, un moment magique. Alors, euh, c'est le contraire. C'est fait avec, avec du, des petits grains noirs, des micro grains noirs, euh, sur un fond blanc. Là, eh bien, on a, on a le contraire. Si la, cette tasse était noire... Eh ben, on aurait encore, encore plus de, de contraste mais elle est bleue comme, comme le ciel qui est, qui est, qui est bleu enfin d'un bleu un peu, un peu moins céleste un peu moins clair que le bleu du ciel et, et donc on a vraiment le lien le lien possible avec l'art des nuages des, des merveilleux nuages et puis avec la panthère rose là-haut mais dès qu'on est comme ça, là, on a, on a un Picasso qui. On a aussi un, un peu un. aspect. un aspect. Euh, un aspect euh, histoire de, de l'art, euh, dans la poursuite, hein, dans la poursuite de, de, de l'œuvre de Picasso, comme une sorte de. de, de moment un peu synthèse. Euh, également de, 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 de l'art sensuel hein, de, 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 de... c'est vraiment 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 enfin, étonnant moi je trouve ça spécialement spécialement réussi voilà <laughs> <Point> chouk. <laughs>